camerati d'una guerra, camerati d'una sorte che divide pane e morte, non si scioglie sulla terra, camerati d'una guerra, camerati d'una sorte che divide pane e morte, non si scioglie sulla terra. Stalingrad est d'ailleurs loin derrière le front maintenant. Le 19 décembre, une puissante offensive de Vatoutin sur le Don disloque l'armée italienne et l'anéantit. Tiene a mente Salvetti Nicola, pico mezzo cannone 50. Le 30 janvier 1943, Goebbels appelle les Allemands à un effort accru devant les épreuves présentes. La collaboration apporte ses vœux d'anniversaire avec Marcel Déa. Cette guerre a commencé par la plus triste des erreurs françaises. L'Allemagne a été forcée de nous vaincre pour nous ramener à la vérité historique et géographique. Ce même jour, Hermann Göring tire les leçons des conclusions de la conférence de Casablanca. Aucun arrangement n'est possible. Il faut lutter jusqu'au bout. Es ist ein wahnsinniger Trottel, der noch glauben möchte, man könne irgendein Arrangement. Et Göring affirme sa foi inébranlable en la victoire. Les soldats allemands de Stalingrad ont lutté jusqu'au bout. Ils capitulent fin janvier. Radio Moscou en diffuse la nouvelle le 31 janvier. Dass am 31. Januar die Gruppe der Hitlertruppen, die westlich des zentralen Teils Stalingrads eingekreist worden war, völlig aufgerieben wurde. On ne peut masquer une pareille défaite. Goebbels préfère l'annoncer sur le mode grandiose. Et un deuil national de 3 jours est décrété en Allemagne. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid bis zum letzten Atemzug getreu, ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Le porte-parole allemand, le docteur Friedrich, s'indigne que l'on puisse prier pour l'armée rouge. Lorsqu'on apprend par une émission de la radio de New York qu'on célèbre des offices religieux dans les églises catholiques de Londres en faveur de l'armée rouge, on demeure confondu devant une telle attitude du clergé catholique d'un pays démocratique. Comment un clergé peut-il prendre la responsabilité devant lui-même, devant ses fidèles et surtout devant Dieu, de prier pour la victoire d'une armée qui, née de la victoire civile, représente en Russie l'instrument d'un régime faisant sien, dès les premiers jours de son établissement, le combat contre l'Église, la religion et Dieu comme la pierre de touche de son existence. Sur le front méditerranéen, l'avance britannique se poursuit et la capitale de la colonie italienne, Tripoli, est aux mains de la 8e armée de Montgomery, qui accueille Churchill dans la ville où le Duce faisait préparer son cheval blanc pour l'entrée triomphale au Caire. Until now, the would-be conqueror of Egypt is endeavoring to park himself as the deliverer of Tunisia. Hip, 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 hip
Bombardée depuis le début de la guerre, la base britannique de Malte a été une des clés de la victoire. Son gouverneur en est Lord Gort. I also take this opportunity to send a special greeting to my old comrades of the BEF who served with me in France. Le maréchal Wavell, devenu vice-roi des Indes, est de passage à Malte en ce début de 1943. On behalf of the Indian Army and of the British troops serving in India, Ceylon and Burma. Roosevelt et Churchill se sont rencontrés à Casablanca à la fin du mois de janvier. Et ils ont publié leur décision irrévocable de n'accepter des puissances tripartites qu'une capitulation sans condition. There, not far from the noise of war, they drew up battle plans for 1943, plans designed to bring about the unconditional surrender of Germany, Italy, and Japan. Joseph Stalin was invited to the conference. He was unable to attend, even though Churchill and Roosevelt offered to move. La seule réponse que puisse apporter le Reich à l'exigence de se rendre à Merci est évidemment de proclamer la guerre totale. Dans un grand meeting à Berlin le 18 février, Goebbels en annonce le déchaînement. Und darum lautet von jetzt ab die Parole: Nun Volk, steh auf und Sturm bricht los! Malgré la défaite de Stalingrad et l'effondrement du front du Don, les Allemands ont réussi une retraite en ordre depuis les cols du Caucase. Le front tenu par Manstein est encore solide. En Afrique, l'Afrika Korps a réussi à retraiter jusqu'en Tunisie. Mais la tête de pont africaine de l'Axe diminue rapidement. Aujourd'hui, 14e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Les troupes du général Leclerc sont entrées dans Gabès. Et l'Italie commence à sentir très durement le poids d'une guerre qui la dépasse. Les bombardiers alliés pilonnent les grandes villes et le moral faiblit à vue d'œil. Duce, duce, ça finit de rire. Duce, duce, ça plus ton empire, la Somalie, l'Abyssinie et l'Érythrée, c'est pas fini. Ça plus Tripoli, tu foutras le camp de Tunisie. Duce, duce. En France, le durcissement se traduit par la transformation du SOL en milice française commandée par Joseph Darnan. Accomplissant un geste rituel, vous allez ployer le genou en terre en signe d'humilité et de dévotion envers le maréchal en qui la France s'incarne. À genoux, vous allez prêter le serment milicien. Je m'engage à servir la France comme sacrifice même de ma vie. Je jure de consacrer toutes mes forces à faire triompher l'idéal révolutionnaire de la milice française dont j'accepte librement la discipline. Homme de Darnan, triste suppôt de la milice, bourreau, bouchard, traître et salaud de basse police. Ce n'est pas tous balles dans la peau qu'on vous destine. Vous finirez sous le couteau, la guillotine. Philippe Henriot définit les tâches de la milice. La milice existe en effet pour aider ceux qui veulent faire la révolution nationale, pour mettre à la raison ceux qui voudraient l'empêcher et pour retirer un argument à ceux qui se lamentent qu'on ne fasse rien parce qu'ils ne font rien eux-mêmes. Qu'on nous dispense aussi des indignations factices de ceux qui proclament que la milice attente à la liberté des Français. Aucun Français n'est libre de livrer son pays au désarroi, au désordre, à la révolution. La milice n'a d'autres adversaires à combattre que les ennemis du pays. Saboteurs de la politique du maréchal et de son gouvernement, gaullistes provoquants et communistes leurs alliés, prébendiers d'hier déçus dans leurs appétits, organisateurs du mécontentement par le travestissement volontaire des consignes gouvernementales, patrons et chefs d'entreprise antisociaux qui exploitent la relève aux dépens des pères de famille, trafiquants du marché noir, distributeurs de mots d'ordre étrangers et de bobards, colporteurs de fausses nouvelles, bref, tous les officiers et hommes de troupes de cette armée de la guerre psychologique, comme l'a baptisé son créateur américain, le colonel Donovan, et qui, véritable cinquième colonne de la trahison, sape, ruine, démoralise et désespère les esprits faibles
et les cœurs qui, parce qu'ils souffrent, sont une proie plus facile pour ceux qui exaspèrent leur paix et flattent leurs espérances. Le général Giraud, qui a succédé à Alger à l'amiral Darlan, y accueille en juin le général de Gaulle pour partager le pouvoir avec lui. Bientôt, lui aussi en sera réduit aux charges honorifiques. Honneur à l'armée française de paix, vaincue des divisions entières, finir par capituler. Mais il est une autre armée française, que je veux saluer aussi. L'armée du peuple français, l'armée de vous tous, qui pouvez m'entendre ce soir, et qui résistez chacun à votre manière. Pétain et Giraud représentaient une certaine France paternaliste et modérée, bien éloignée des extrémismes révolutionnaires qu'ils voient monter avec tristesse. Les révolutions qu'anime la haine n'ont jamais profité au peuple. Elles détruisent le bien commun et meurtrissent les innocents. Comme des avions qui, sous prétexte d'atteindre l'arsenal, écrasent l'école. Un temps viendra, plus proche que vous ne l'espérez, où le travail que je vous ai tracé s'accomplira plus facilement, dans un mode délivré de la guerre. Il est plus facile pour un général de commander ses troupes, surtout lorsque les moyens matériels de la victoire lui sont abondamment fournis. Tel est le cas de MacArthur. When I landed on your soil, I said to the people of the Philippines whence I came, I shall return. Tonight, I repeat those words. I shall return. Mais que peuvent penser des généraux lorsqu'ils sont chargés d'une mission telle que la destruction du ghetto de Varsovie après son soulèvement du désespoir en avril 1943? Que peut penser l'amiral Esteva, foncièrement anti-allemand, qui a dû, par discipline, les accueillir à Tunis? Pendant les trois années que j'ai passées dans la régence, depuis qu'en mai 1940, j'avais établi mon poste de commandement à Bizerte, j'ai ordonné l'obéissance absolue au maréchal Pétain et au gouvernement français, en même temps qu'à son Altesse le Bey. Plus que jamais, je vous demande la fidélité et la dignité dans votre conduite journalière. Vous n'oublierez ni les uns ni les autres le bien que la nation protectrice a fait en Tunisie depuis 62 ans. Aujourd'hui, je vous rappelle que le maréchal et son gouvernement sont les autorités légitimes, les seules à qui nous devons tous l'obéissance. Esteva a dû rentrer en France lorsque les derniers éléments allemands et italiens ont été chassés de Tunisie. Le 13 mai, ainsi que Churchill peut le déclarer devant le Congrès américain. Mr. President, the African war is over. One continent, at least, had been cleansed and purged forever from fascist or Nazi tyranny. Dans son communiqué, l'OKW doit reconnaître cette nouvelle défaite. Der Heldenkampf der deutschen und italienischen Afrikaverbände hat heute sein ehrenvolles Ende gefunden. Die letzten in der Umgebung von Tunis fechtenden Widerstandstruppen seit Tagen ohne Wasser und Verpflegung mussten nach Verschuss ihrer gesamten Munition den Kampf einstellen. Tout va très bien. Mon V n'irait sur R. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il y a un tout petit revers. On déplore un tout petit rien. C'est ce pauvre Mussolini qui a perdu l'empire d'Italie depuis que Rommel a quitté la Libye. Mais à part ça, tout va très bien. Staline donne un gage de bonne volonté à ses alliés en annonçant la dissolution de l'Internationale communiste, le Comintern. Voici ce qu'en pense Philippe Henriot. Staline, qui n'aime pas faire les choses à moitié et qui a donné tant de preuves de sa virtuosité en matière de volte-face, a alors de ses propres mains immolé son fils préféré, le Comintern. Mais son poignard de carton n'a versé qu'un sang de mélodrame qu'on a tôt fait d'éponger dans la coulisse en riant de la crédulité des spectateurs. Après la dissolution du Comintern, l'Internationale cesse d'être l'hymne soviétique et est remplacée par l'hymne actuel.